Le petit poussin a bien du chagrin. Il appelle sa maman tout en chuchotant. Piou, 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 piou. Le petit poussin a bien du chagrin. Il appelle son papa en faisant comme ça. Piou, 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 piou. Le petit poussin n'a plus de chagrin. Papa et maman arrivent en courant. Bang, bang, petit copain. Tap, tap, tape des mains. Saute, saute, petit coquin. Chante, chante, chante sans refrain. Bonjour les enfants, bien dormi, bien réveillé, vous avez pris votre petit déjeuner, alors vous êtes en forme alors. Bon, maintenant on va faire une autre leçon, une nouvelle leçon de pré-mathématiques, l'ensemble. Alors faites attention, écoutez-moi bien. Alors, c'est quoi un ensemble? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, regardez ici, les enfants. On voit des ensembles de cercles, des ensembles de carrés, des ensembles de triangles. Regardez aussi, ici, c'est des ensembles de cercles qui sont jaunes. Ici, c'est des ensembles de triangles qui sont verts. Ici, ils sont jaunes. Ici, c'est des cercles qui sont bleus. Ici, c'est des carrés qui sont jaunes. Oh, pardon, hein. C'est rouge. Alors, regardez les enfants. Ici, il n'y a qu'un seul carré. Un seul cercle. Un seul carré. Un seul triangle. Donc, c'est quoi un ensemble? Quand on a plus que un cercle, ça s'appelle un ensemble. Regardez. Ici, il y a un seul cercle. Ici, on a trois. Ici, on a deux. Ici, on a trois. Donc, on dit un ensemble de cercles. Ici, c'est un ensemble de cercles. Regardez. Regardez. Ici, c'est un seul carré. Ici, c'est la même chose. Alors, regardez. Ici, on a deux. Donc, on dit un ensemble de carrés. La même chose pour le triangle. Regardez ici, il y a un seul triangle. Mais ici, on a trois triangles. Vous avez vu les enfants? Très bien. Alors regardez ici les enfants. On a des ensembles de carrés, de cercles, de rectangles et de triangles. Regardez ici, on a un ensemble de rectangles, mais regardez. Il y a un triangle, il y a un cercle, il y a un carré. Donc, il y a deux carrés, regardez. Donc, ce n'est pas un ensemble. D'accord? Ici aussi, on a des rectangles, regardez, et un carré, un triangle et un cercle. Donc, ce n'est pas des ensembles. D'accord? Vous avez compris? Très bien. On va passer à des autres ensembles, d'accord? Regardez ici. Ici, ce sont des ensembles. Ici, ce sont des ensembles de feuilles. Regardez ici, ce sont des ensembles de champignons. Ici, ce sont des ensembles d'arbres. Alors, regardez, les arbres, ils ont perdu leurs feuilles ici. Hein. Alors, regardez, c'est un ensemble de lapins. Donc, ensemble de feuilles, ensemble de champignons, ensemble d'arbres, ensemble de lapins. Très bien, les enfants.
Regardez ici. C'est un ensemble de crayons. D'accord, les enfants? C'est un ensemble de crayons de toutes les couleurs. Regardez les enfants sur cette image. Ce sont des ensembles qu'on va relier ensemble. D'accord? Regardez. Ici, c'est un cadeau. Un cadeau. On va le relier avec le marteau. Non, c'est avec le gâteau d'anniversaire. Bientôt, vous aurez 4 ans, les enfants. Vous allez grandir, hein? Alors, regardez. Ici, c'est un bouton. On va le relier avec quoi? On va le relier avec le biberon? Ouais, avec le biberon. Non, avec la colombe. Non, c'est avec la chemise. Donc, le bouton, il va avec la chemise. Et le bébé? Le bébé, on va le relier avec le gâteau? Non, le bébé avec le biberon. Il va avec le biberon. Et le clou? Le clou avec le marteau. Il nous reste la colombe. La colombe, c'est avec le bébé? Ben non. C'est avec la chemise. Ben non. C'est avec la plume. Donc, c'est avec la plume. Donc, le cadeau. Le gâteau d'anniversaire, le bouton avec la chemise, le biberon avec le bébé, le clou avec le marteau et la colombe avec la plume. Bien les enfants, vous êtes adorables. Maintenant, on va passer à une petite activité qu'on va faire ensemble les enfants. D'accord? Regardez. Les baskets, elles vont avec quoi? Avec les feuilles, le pinceau, le ballon. Oui, effectivement, avec le ballon. Le basket, c'est avec le ballon. Le citron, avec les feuilles, le pinceau, le crayon, le verre. Oui, c'est avec le verre, parce qu'il y a un jus ici, vous voyez? Une paire de ciseaux. Elle va avec, effectivement, avec les feuilles. La palette de peinture. Elle va avec tes crayons ou les pinceaux. Bien sûr, c'est avec les pinceaux. Il nous reste le crayon. Crayon, il va avec le taille crayon. Le crayon va avec le taille crayon. Très bien les enfants, donc vous avez bien compris. Ah ben c'est très bien. Donc je vais vous dire à tout à l'heure.